Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui jeudi et il est 9h40. Il est 9h40 et nous allons attaquer l'instruction. Mais je voulais vous montrer quelque chose avant, puisque du coup moi je fais mon ménage en même temps que là les enfants étaient partis s'habiller. Donc moi je fais mon ménage et en fait j'ai décidé de faire un peu de changement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon salon, de mon séjour. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais retourner la caméra, ce sera plus facile. On entrait dans le salon, en fait on a toujours la table de séjour, logique, le buffet. Mais c'est plus de ce côté. Voilà. On a fait un peu de changement. Avant, le canapé, il était ici. Et le meuble télé, il était là, en fait. Et finalement, je trouve... Bon, c'est pas encore terminé. Hein. J'ai encore du rangement à faire. Faut que j'aménage la petite étagère là, que je range un peu. Enfin, je trouve une solution pour les câbles en dessous le meuble, les rangements intérieurs. Mais c'est l'idée, en fait, que je viens de faire là ce matin. C'était de tourner le canapé. Et pour être honnête, je trouve qu'on gagne quand même pas mal d'espace au niveau d'ici qu'on n'avait pas avant. Donc, je suis plutôt contente. Parce que c'est vrai que la pièce de vie, étant donné que j'ai récupéré le double séjour pour faire mon atelier couture, du coup, sur cette pièce-ci, il nous restait quand même moins d'espace. Alors, j'ai jamais calculé combien faisait cette pièce, d'ailleurs. Je vais peut-être le faire. Juste par curiosité pour savoir quel espace on utilise. Et mais voilà, en fait, je me dis, la nappe, elle est mise vachement droit. mais en tout cas, l'espace me convient comme ça. On est 5 et honnêtement, on y est bien. Donc je me dis, ouais, je pense que ça va rester comme ça. Ça me plaît bien. Mais c'est vrai que ouais, cette disposition, elle me plaît pas mal. Après, faut juste voir si ça reste pratique le fait d'avoir la télé de travers, parce que du coup la télé elle est de travers sur le meuble. Personnellement, ça me gêne pas, mais voilà, je vois quand même à l'usage, est-ce que ça va me convenir comme ça, je sais pas. Mais bon, moi vous le savez, hein, j'ai le goût du changement. Chez moi, ça change souvent, donc. Non, ça fait longtemps que ça n'a pas changé. Ouais, 3 mois. Bah ouais. À 3 mois, c'est pas longtemps. Quand même. Bon, bah c'est bien. Elsa, elle se rend pas compte que je change souvent les meubles, donc ça va. Donc voilà. Et puis bah du coup bientôt il y aura un changement dans la cuisine aussi. Donc je vous referai quand la cuisine sera aménagée, mais du coup ça sera certainement après le confinement. Tiens, on va mon nudiste. Regarde, elle m'a mis 2 maillots de corps. Ah oui, 2 maillots. Bah alors celui-là tu peux l'enlever, hein, parce que manche longue ça va faire chaud. Par contre, mets ton slip s'il te plaît. Mais ça va chaud. Hein, mais tu sais la priorité c'est de cacher ton zizi en fait. Et après, tu mets ton t-shirt. Marceau, zéro pudeur. Marceau, 1, pudeur, 0. Il a enfilé un maillot de corps, mais il a rien en bas. Et il se balade. T'es beau. Ouais, tu le ramènes? Maman, Marceau. Est-ce que tu savais qu'il y a des oiseaux qui habitaient au-dessus de toi? Oui, je les ai vus. Ouais. Ils ont fait un nid. Oh, ça veut dire qu'il y aura peut-être des poussins. Alors, il joue à des oiseaux. À moins de trouver un oiseau tombé du nid, et c'est loin d'être agréable à trouver, non, on va pas avoir des poussins. Les oiseaux, ils s'occupent de leur bébé normalement. Donc à moins qu'il tombe du nid, et auquel cas, on va le retrouver mort dans le jardin. Oh non. Bah déjà, Pernelle, elle lui fera pas de cadeau, hein, si elle le trouve, donc... Bah on le prendra avant. On l'empêchera de sortir, on l'adoptera. Oh, hey, ça va, il sera gratuit. De quoi? Bah l'oiseau. Ah, est-ce que tu crois vraiment qu'on va prendre un oiseau? Bah oui. Non mais là ils ont pas compris en fait. Je crois que le chat c'est le dernier animal qu'on prend. Ce matin, Pernelle, elle tournait en rond dans le couloir. Ah non. Puis d'un seul coup, elle prend une pause, mais alors the pause, elle fait caca. Normal. Alors que sa litière est à moins de 3 mètres d'elle. Normal. Mais... Donc, tu viens, on va faire la... J'ai hâte qu'elle retourne dehors. J'ai dit après le travail. Elle retrouve la forme, là, bien de bien. Il n'y a pas de problème. Elle est toute la journée les yeux grands ouverts. Enfin, franchement, ça fait plaisir de la voir en forme. Alors, ça fait pas plaisir qu'elle fasse caca au milieu du couloir, mais ça me fait plaisir qu'elle soit très en forme. Et donc, je retourne chez le véto samedi matin. J'en ai
je sais plus si je l'ai dit dans le vlog d'hier, mais on va refaire un contrôle samedi matin. Ouais, mais je l'ai dit dans la première clôture que j'avais tournée, mais en fait, j'ai pas. Parce que des fois, je pars dans un truc, je clôture mon vlog, et puis après, je me dis, ouais, non, en fait, je vais monter toutes les premières séquences, puis la clôture, je la refais. Et du coup, je retourne la clôture, en fait, après. Parce que sinon, j'oublie plein de choses. Donc. J'ai pas vu. J'ai reçu une notification, mais je vais eu le temps de voir ce que c'était. Donc voilà, bon bah du coup on va attaquer l'instruction puisqu'il est 9h45 et 7 même. Stop. Laisse-moi. Non, alors les coups de coude on évite. On évite les coups de coude. Par contre quand on te demande d'arrêter, tu arrêtes. Non mais pas dit d'arrêter. Si, elle te l'a dit deux fois et moi je te l'ai dit une fois. La preuve en vidéo. Hein. Donc tu peux pas mentir. Donc tu stops. Voilà, un câlin, c'est mieux. Donc, je disais, nous allons commencer l'instruction. Non. Et puis, voilà, la grande motivation. T'as envie de montrer à tout le monde comment tu te comportes quand on fait l'instruction? Est-ce que je peux filmer, à la limite? Ah ouais, non. Filme, ouais. Ça motivera. Si t'as un peu honte de ton comportement, quand même. Non, j'ai pas honte. Non, t'as pas honte? Ah bah, alors... Bah, dans ce cas-là, je vais te filmer, puis... Non. Comme ça, remarque. Ça serait peut-être un bon moyen pour que tu te rendes compte, pas pour le mettre dans le vlog, mais pour te le remontrer à toi et que tu te rendes compte de ton comportement. Pour que tu prennes conscience de ce que tu fais, en fait. Et du point auquel tu es excessif, surtout. On t'a demandé d'arrêter. Je suis rien. Si, tu embêtes ta sœur. Il met ses pieds, il met ses mains là-dedans. Je le vois. Sérieux. Donc ça suffit, Adam. On va y arriver. Donc on va aller faire l'instruction, ensuite on prendra le déjeuner. Cet après-midi, j'ai pas de programme spécifique pour les enfants, mais je les ai prévenus que je voulais travailler. Donc là du coup j'ai fait mon ménage. Donc quand ils auront fini l'instruction, le temps que je préparerai à manger, je vais laver par terre en fait, comme ça aura le temps de sécher. Je peux le faire ? Oh bah ma foi si tu veux. Oui. Pas besoin de demander. Donc enfin en fait c'est l'idée du balai vapeur. Elle adore. Donc, bah, du coup, Elsa passera le balai vapeur. Et puis, bah, après, on déjeunera. Et cet après-midi, effectivement, moi, j'essaierai de travailler le plus possible. J'aimerais bien, en fait, pouvoir coudre toutes mes lingettes. Mais ça ne sera pas possible parce que c'est des retournées et j'en ai 20. Donc, le temps de retourner les 20, ça va me prendre du temps. 20, ça ne dit pas 20. Je sais plus s'il y avait des... Bon, on dit 20, non? Bah si, on dit 20. Ah, on dit 21. Bah oui, pour faire la liaison. Non, je suis habillée. Moi, j'ai toujours dit 20. On dit pas 20. Regarde. Non, waouh, beau gosse. Il s'est habillé tout seul, le grand garçon. Et bah moi aussi, le grand garçon. T'es au top. Non, on dit 20. T'as mis du parfum aujourd'hui? Ouais. Je lui dis, t'as pas mis du parfum aujourd'hui? Ouais. T'as mis du parfum ou pas? Oui. Bah. T'as mis du parfum? Non, ça sent pas. Là? Ah bah, il est vide. Oh non. Non, t'en as pas mis. Il est vide. Ah bon? Bah c'est Marcel qui l'a mis. Vous êtes fait plaisir les gars. Non c'est Marcel. C'est ça que tu sentais si fort hier. C'est Marcel. J'avais eu chez Nocibé un petit échantillon de parfum. J'avais proposé à Eric, je lui ai donné deux fois où il l'a laissé ici. Du coup je l'avais mis de côté dans mon petit... J'ai un petit pot en fait qui me vient du mariage de ma copine Caro. Que j'avais gardé, en fait, à la base, c'était un bougeoir, et une fois que la bougie était vide, j'ai quand même gardé le petit contenant. Et du coup, je stocke dedans toutes mes petites barrettes, mes élastiques, tout ça, et je le garde sous le coude parce que j'en ai tout le temps besoin. Et j'avais mis ça dedans. Et du coup, ils l'ont piqué, en fait. Adam et Marceau. Toi aussi? Non, moi, j'ai juste mon petit shit. Ah oui, voilà. Et en fait, les gars, ils s'étaient parfumés avec. Et hier, ça sentait bon. Dès que je les croisais, c'est bon, ça sentait l'homme, hein. Mais ça sentait bon. Et. Je t'en prends ça. Dès que. Non, mais faut le mettre à la poubelle, il est vide. Non. Attends, je vais voir quand même. Je vais leur acheter un flacon. Pour 4, pour 3. 4.
Ouais, moi je suis pas un homme, merci. Mais ils aiment bien mettre du parfum, c'est trop rigolo. Non, t'as une tête d'homme, toi. Pardon. En tout cas, ça sentait bon. Mais là, ils l'ont vidé, du coup, ils se sont lâchés hier. Ouais. Par contre, on va avoir un souci si la tablette n'est pas chargée. Pourquoi? Ah, parce qu'on n'a qu'un seul ordinateur. Donc, mets la tablette en charge, là, avec le câble de l'ordi. Et puis... Oui, bah, j'ai bien vu. Comme il est lancé, déjà, il est allé sur l'ordi et tout, tranquille. Donc, c'est parti. On attaque. Là, j'ai fait une pâte déjà, mais on est 5, donc il en faut 2. Je fais 2 pâtes à crêpes systématiquement parce que ça nous fait un repas quand même, donc on n'en mange pas qu'une. Et du coup, là, je vais les faire cuire après. Là, j'ai Elsa qui est avec moi. Et puis, normalement, on a une assistante aussi. Tu es en train de se laver ? Qui fait sa toilette, normal. Donc, comme on n'a pas mangé les crêpes hier, bah, je suis de mission aujourd'hui. Donc, je suis très mal coiffée. Hein, Et comme j'ai mes racines qui repoussent, du coup, je me laisse plus. Attends. Et je peux lâcher. Puis, de toute façon, j'aime pas ma coupe au carré. Là, c'est moche. Enfin, c'est le dégradé, en fait, que j'aime pas. Bah, moi, je trouve que ça me va bien. Non, mais le carré, oui. Mais c'est le dégradé que j'aime pas. J'arrive pas à me coiffer avec le dégradé, donc ça me saoule. Du coup, tous les jours j'ai les cheveux attachés, donc c'est moyen, mais c'est pas grave. Du coup, on a fini l'instruction, ça s'est relativement bien passé. J'ai eu la maîtresse de com au téléphone en plus, donc super, parce que on avait plusieurs interrogations et c'est vrai que moi je voulais pas la déranger pour des bêtises et en fait elle m'a dit qu'il fallait surtout pas qu'on hésite. Donc du coup, on a mis un petit peu à plat tout ce qui touchait à com en fait. Et bah, comme ça, on repart sur de nouvelles bases. Donc après, c'est les vacances vendredi. Donc ils font une pause, mais on va quand même réviser les choses, etc. Donc c'est vrai que c'était bien. C'était bien de faire le point. Donc là, Elsa ne termine pas son travail parce qu'en fait, elle blablate. Alors, en fait, toutes les 2 minutes, elle me dit ça. Mais je comprends pas la question. Et donc, elle me lit la question. Du coup, moi, je réponds pas parce que si je réponds, je lui donne la réponse. Donc, c'est pas le but. Et là, elle revient sur... Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, c'était écrit là. Ben oui. Et toutes les 2 minutes, elle me dit ça. Donc, toutes les 2 minutes, elle a une question à me poser pour rien. Comment perdre du temps inutilement? Mais c'est quoi une courbe? Enfin, si, c'est... En fait, non, mais... C'est quoi une courbe? Si, je sais, mais... En fait, c'est... Aidez-moi, je vous en supplie. Il y a des histoires. Oui, il est 18h10.
et je suis contente, j'ai bien bossé. J'ai fait un rouleau de papier d'essuie-tout. Et puis j'ai fait les 20 lingettes. Alors elles sont cousues, hein, mais maintenant je dois les retourner, les fermer et ensuite les les surpiquer. Pareil pour les éponges, il faut que je mette la mousse à l'intérieur, que je les retourne, je mets la mousse, je les referme. Et après je refais une surpiqûre à la machine. Donc tout ça, pardon, ça sera fait demain. Et puis, enfin, les fermer, je pense que je vais faire ça ce soir devant la télé. Enfin, si toutefois il y a quelque chose à regarder à la télé. Et sinon, bah, je les ferai demain dans la journée, devant la télé. Et puis, du coup, j'en ai partout. J'en ai plein, mon pantalon. Enfin, c'est pas grave. Du coup, là, je vais reprendre un peu mon ménage parce que j'avais un peu laissé mon ménage de côté pour pouvoir bosser, vu que ces derniers jours, c'était plutôt le contraire. J'avais laissé le boulot de côté pour pouvoir gérer les enfants, etc. Donc, ah, je vous ai pas montré, je me suis fait un masque. Je me suis fait un masque de protection pour... je vais le mettre pour vous montrer. Il est trop bien ton masque. Il est trop bien ton masque. Ah bon? Ouais. Tu trouves? Ouais, je trouve. Oh là. Maman, tu veux bien me faire un marine? Je veux bien m'en faire un comme ça. Tu veux le même avec des couleurs de filles comme ça? Ouais. Voilà, donc j'ai suivi le... J'ai un truc sur le cil. J'ai suivi le patron AFNOR, en fait. Et du coup, donc c'est des cordons qui passent derrière la tête et non pas derrière les oreilles. Ce qui permet en fait au masque d'être beaucoup plus plaqué au visage en fait au niveau d'ici et du coup. Donc moi je le trouve très bien. Comment tu vas? Bon, aujourd'hui c'est du grand n'importe quoi, je vous reprends, il est 23h50. Voilà, le montage du coup n'est pas terminé. Je viens de le faire en fait, mais ouais. Mes enfants, ils n'avaient pas envie d'aller se coucher tôt ce soir, ils m'ont demandé. Alors, la première fois, j'avais dit non. Puis après coup, je me suis dit, c'est vrai que si on ne profite pas maintenant qu'on est en confinement, bah, c'est pas quand ils seront retournés à l'école qu'on pourra le faire. Donc je me dis, allez, pour ce soir, j'ai cédé. Donc ils sont restés avec moi un peu plus longtemps. Ils sont allés se coucher à 22h45, je crois. Donc il y a une heure à peu près. Et bah, ils ont décidé de dormir tous ensemble. Donc du coup, on a ramené le matelas d'Adam et de Marceau dans la chambre d'Elsa et Côme. Et du coup, ils dorment tous dans la même chambre. Voilà. Ça, c'est leur grand plaisir. En fait, souvent, quand je dis que j'ai 5 enfants, tout ça, à des gens que je connais pas, souvent on me demande, mais dis donc, mais t'as combien de chambres chez toi et tout, genre tous tes enfants, ils ont chacun leur chambre. Mais en fait, les gens ne comprennent pas que mes enfants ne veulent pas avoir chacun leur chambre. C'est, je ne comprends pas pourquoi. En fait, moi je me souviens quand j'étais petite, je rêvais d'avoir ma chambre à moi et je devais la partager avec ma sœur. C'était pas grave, en soit, il n'y avait pas de problème. Mais j'aurais trop aimé avoir ma chambre toute seule, quoi. Ma sœur et moi, on s'entendait relativement bien, donc ça va. Mais c'est vrai que j'aurais quand même adoré avoir une chambre pour moi toute seule. Mais du coup, je comprends pas que eux, ils aient toujours envie de partager la même chambre. Je sais pas, ça me paraît surprenant tout le temps. Je me dis, en fait, je pourrais avoir un T3 avec, s'il y a une des deux chambres qui fait 20 mètres carrés, on est bon, hein. Donc, je leur ai dit, demain matin, j'attends jusqu'à 8h30. Demain matin, sport pour moi, donc réveil à 7h30, sport jusqu'à 8h, de 8h à 8h30, je passe à la salle de bain. Et puis ensuite, on enchaîne comme d'habitude avec le petit-déj. Ensuite, on va faire l'instruction. Et puis après déjeuner, et puis l'après-midi, pour moi c'est toujours un peu la même chose, c'est moitié travail, moitié ménage. En fait, quand je travaille, j'ai pas le temps de faire le ménage, quand je fais le ménage, j'ai pas le temps de travailler, donc c'est compliqué. Donc là aujourd'hui, j'avais fait le séjour, j'avais fait la cuisine hier, aujourd'hui j'ai fait le séjour, mais honnêtement, ce soir c'est encore Beyrouth, hein, donc c'est à refaire demain, hein, les deux pièces, hein, donc c'est compliqué. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Les enfants partent ce week-end
dimanche. Oui, ils partent dimanche chez Eric pour la semaine, du coup, puisqu'ils partent en vacances. Donc, moi, ça va me laisser beaucoup de temps pour travailler. Donc, bon, je me dis que c'est bien comme ça. Mais je voulais m'excuser parce que j'ai remarqué, depuis plusieurs vlogs déjà, quand je fais les montages, j'ai remarqué que, en fait, il y a un bug de son dans certaines séquences, en fait. Il y a 10 minutes au début où on entend... 10 minutes. Il y a 10 secondes au début où on entend quasiment rien. Et puis après, le son, au bout de 10 secondes, le son, il augmente. Et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. J'ai regardé sur Internet, j'ai regardé... Et je trouve pas de solution à ça. Alors, comme les enfants n'arrêtent pas de trifouiller mon portable, est-ce que peut-être ils ont changé une option ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bug et je ne vois pas d'où ça vient, donc je suis désolée. Je vais essayer maintenant d'attendre 10 secondes au début de chaque vidéo avant de commencer à parler, mais faut que j'y pense. J'avais dit que je le ferais là sur la clôture, je l'ai pas fait, alors on va voir au montage s'il y a un problème de son encore. Mais c'est vrai que c'est assez pénible quand même. Donc, puis ben, pour être honnête, j'ai pas les moyens de m'acheter une caméra là. Je viens de me commander mon congélateur, donc... j'abuse, je reste trop longtemps. Donc oui, je viens de commander mon congélateur, donc j'ai clairement pas les moyens de m'acheter une caméra. Mais et puis honnêtement, quand je vois bah, mon financement participatif qui ne bouge pas, en fait j'ai eu 3 dons. Et merci beaucoup aux personnes qui ont fait un don. Du coup, il y aura des contreparties, donc c'est cool puisque c'est des dons qui sont supérieurs à 5 euros. Donc je serais ravie de vous les offrir, vraiment. Mais pour l'instant, bah, j'ai que 3. Il reste 20 jours, je crois, ou 23 jours peut-être. Et bah, j'ai que 3 dons. C'est ça, je cherchais le mot. Voilà, depuis concrètement 7 jours qu'elle est en ligne. Donc bah, c'est un petit peu compliqué, donc n'hésitez pas à partager s'il vous plaît. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à la partager. J'ai vu que Liliana l'avait partagée sur son profil Facebook, puisque en fait on s'était connus bien avant la chaîne YouTube, donc du coup je l'ai en amie sur Facebook et j'ai vu sur Facebook qu'elle avait partagé. Il faut que j'en parle aussi sur Instagram, peut-être que ça aura plus d'impact sur Instagram, parce que Facebook, j'avoue que... c'est vraiment quelque chose que je boycotte. En fait, j'y vais que pour les groupes. Je suis sur les groupes de trucs de zéro déchet, sur les trucs de d'enfants au potentiel. Je suis sur le fait maison. Je suis sur des groupes comme ça. Mais sur les trucs d'hypothyroïdie, etc. Mais à côté de ça, voilà, je n'y vais que pour ça. Donc, puis les groupes de vente aussi, d'occasion. Mais en dehors de ça, bah, je fais rien. Enfin, je n'utilise pas Facebook. Je publie un truc de temps en temps pour dire. Mais voilà, c'est pas le réseau social que je préfère, quoi. Voilà, bon bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que cette journée avec nous vous a plu. Et puis bah, je vous dis à demain pour une nouvelle journée, nouvelles activités. On verra ça. Je vous fais des gros bisous. Bonne journée.